Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite et cette fois-ci je suis super bien accompagné. Je suis accompagné de Fat et de Monsieur Chippo, Mister Chippo. Ça va les gars? Ça va, ça va, okay. Ça va, ça va. Je vous laisse faire une présentation rapide, qui c'est qui veut commencer? Bah yop, moi c'est Chippo, j'ai actuellement 800 top 1 sur Fortnite et un pourcentage de win de 42%. Je suis un joueur console, donc PS4, je suis classé à peu près top 200. D'accord, c'est quoi, c'est un classement mondial? Yep. Écoutez, moi j'ai actuellement 1580 top 1 en ce moment. 1600 et presque 1600, c'est ça. Et je suis classé mondial 5e en ce moment sur toutes plateformes confondues. Niveau top 1. 5e mondial sur toutes plateformes confondues, c'est du lourd. L'objectif de cette vidéo, c'est à deux, ces mecs-là ont plus de 2100 top 1. On va essayer d'avoir quelques conseils, quelques infos, comment se déroule une game pour eux. Parce que bon, quand on a cette quantité-là de top 1, vous doutez bien qu'il y a un schéma, il y a un schéma, il y a une façon de faire, il y a une façon de progresser, de laisser découler les parties. Et c'est ces infos-là qu'on va essayer de récupérer aujourd'hui. Donc en espérant que ça serve à tout le monde, on verra un petit peu comment, entre guillemets, les pros du Fortnite Games font pour maximiser leurs chances de faire des top 1. Pourquoi en fait, pourquoi vous préférez popper dans les villes? En fait, du coup, pour le coup, je le fais aussi parce que je suis un grand PVPiste et j'adore le combat, mais est-ce qu'il y a une raison particulière à ça de votre côté? En fait, donc, on cherche beaucoup le kill, en fait, c'est ça. Ouais. On aime bien fight. Et on aura toujours plus de stuff dans les villes que dans les petits halos ailleurs. Il y a un pourcentage de chance de trouver du stuff qui est beaucoup plus élevé. Ok, genre y a plein de gens qui n'aiment pas prendre les mêmes maisons que les collègues. C'est une bonne chose ou... Bah pour jouer safe, vraiment non, il faut rester regroupé en fait. Y'a du monde en bas d'ailleurs. Ouais, j'ai un coffre. Je vais aller le chercher tout de suite. J'ai une arbalète. Nice. Il est en bas, il a un pompe, je crois. On a vu l'arme qu'il avait. Il est mort. Bien joué. Je vais le finir, je vais prendre son shotgun. J'ai une aire verte pour quelqu'un. Ouais, j'ai une aire verte. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est bien d'aller dans la même maison? Oui et non. Ça veut dire si on n'a pas du tout de loot pour tout le monde, c'est pas forcément un problème que un mec n'ait pas d'arme. Ce sera assez coéquipé de le protéger en début de game. Ah, juste au ouest, derrière l'arbre. Devant toi, Chippo. J'ai enlevé tout son shield. Nice. Good job, je vais finir, je vais prendre les balles, good. Bah tu vois l'exemple qui est là, si on n'avait pas été dans la même maison, je serais peut-être mort étant donné que vous auriez pas été derrière moi. Il l'aurait sûrement fini quoi. Ouais, je me doute, ouais. D'où l'intérêt de se balader ensemble. Genre là, il y avait du monde, il y a un escalier qui vient de se péter la gueule. Hein. 150, ouais. J'ai vu. Nice. Ça va. Encore devant, est. Ça va. Je rush. Il y en a un autre. Au niveau des barrières. Devant toi, ouais. Mort. Bien joué. Attends, il y a eu un. Oh, hein, je suis tombé. Arbalète, arbalète. Oh, sur la colline. Aidez-moi. Oh. Faut que tu me. Juste sur la colline. Ah, j'ai fait un putain de bad move. Donc là, il y a une position à hauteur, donc faut faire attention par rapport au push. Un KO. KO 1. J'ai plus de rocher. Ouais. Mort 2. Bien joué ça. Il y en a encore un sur la maison je crois. J'ai vu bouger. Attends, laisse-moi un tout petit peu de balle à droite. A few moments later. Mais je sais pas si tous les tournois sont pareils par rapport à ça. Touché 2, shield 2. Yes. Je suis en dessous de 2 perso. T'as pris une balle. Ils sont de votre côté, j'ai aucun visuel. Nice. L'autre il est en bas. Il a posé des pièges. Faites attention si vous sautez. Il m'a eu, m'a eu. Il va me finir. Non. Faites gaffe, piège à droite. Il passe derrière, il monte. Ah. Je l'ai dit. Tu me l'as dit en plus, c'est ça. Oh non. Est-ce que quelqu'un a des roquettes par hasard? Ouais, je vais sûrement pouvoir te donner ça. De ça, sud 195, en bordure de zone. Dans la construction. Je vais tirer dessus de toute façon, tu vas le voir. Ça se fightait, ça s'est mis KO juste avant, donc... Faites attention par rapport à ça.
Ils sont tombés. Ok. Continue à forcer. À gauche, dans les construits, à gauche. Derrière l'arbre. Il bouge à gauche. Sud. Plein sud, il descend. J'ai bientôt plus de balles. Je le touche même pas avec ma batteuse. Nice. À gauche, les, à gauche. Les derniers, à gauche. 120, ouais. Et il y en a dans le labyrinthe. KO1, labyrinthe. Nice. Outil devant nous, pas deux. Mort. Good. Labyrinthe, labyrinthe. Allez, je vais aller le chercher, je vais aller le chercher. Allez, on y va. Je le veux, je le veux. C'est le mien. Ils sont deux encore. Ils sont deux, ils sont deux. Je le veux, je le veux. Le dernier, il est à moi. Non. Maintenant que je sais comment faire mon top 1, maintenant que je sais qu'il faut bien construire, maintenant que je sais toutes ces choses-là, on va essayer de les mettre en application comme un cours de mathématiques, en fait. On va sauter à Tilted Tower et on va voir comment on s'en sort vivant. Si, on s'en sort vivant. Là, par contre, par rapport à la zone, tu vois, Tilted peut être un pari assez risqué. Ah ouais. Étant donné qu'il est en bord de zone, et si on se tape une zone, par exemple, sur moi, Simir, on va devoir run très vite. Et il y a de fortes chances qu'on se fight, donc on perd du temps sur la zone. D'accord, ok. Lui, je vais lui envoyer un coup de lance-roquette dans la gueule. Par contre, c'est vrai sur console qu'il y a du monde, mais c'est beaucoup rare, quoi. Normalement, il tombe KO. Ah non, c'est... shield. Ok. Shield. Sur il était juste à droite. Par contre, ce qui fait chier, c'est qu'elle est pas dans la zone tower, en fait. Oui. Donc, faut un peu se dépêcher. Il y a l'autre qui construit en 60 ouais. Sur le toit. Bah, moi, je vais aller récupérer le loot du bobé sur le toit. L'autre, il a pris un coup de lance-roquette, je l'ai même pas tué, quoi. Ah bah c'est les full shield. Il est en bas. Ouais, je le vois. Ouais, tu sais, voilà, tu l'as vu, wait. Attends, je vais run avec vous. Ok. Il a pris une balle. Une balle. Oh là, j'ai eu un lag de ouf. Vas-y. Et y'en a un qui est monté. Mort. Bien joué ça, wait. Ça c'est du beau jeu, ça c'est comme ça qu'on voulait les choses là. Putain. On risque d'avoir le monde de Pleasant et de Snobby de toutes les villes de gauche quoi. Ouais mais juste une question. Ouais. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut vraiment ça? Dans le dos, dans le dos. Ah, je suis tombé du coup. Y'en a dans le dos. Ils arrivent en zone, 3 en zone. Yep. Là tu vois on peut le vouloir par rapport à la zone. Touché. T'as pris KO1. Ils sont passés à gauche dans la zone, hein. Ils sont en zone. Ouais. Ils vont peut-être contourner, faites gaffe. Y'en a encore sur notre gauche et y'en a qui arrivent dans la colline là. Ouais, mais c'est sur notre gauche qu'il faut jouer. Ils arrivent vers vous. KO1. Non, je l'ai prise. Je suis dans le magasin. Au secours, on me finit. Nice. Nice. Encore un. Il a plus de vie, hein. Bien joué. Nice. Et j'en ai deux qui sont KO près du mur là. Oh, regarde, t'es prêt? Enlève-toi. Oh, encore. Il est fou. Oh. Bien joué. Nice. Laissez des balles. Attends, y'a du violet là-bas qui clignote. Tiens, White, mets-toi bien. J'ai la gourde du brave. Okay. Je rajoute juste les munitions parce que vous allez tout prendre. J'en ai 1023, je suis pas. Hein? 1023 de quoi, balle d'air? Bah oui. Balance-en ouais, quelques-unes là. Filez-moi vos explos aussi. Hein. Tiens, prends-en un peu là. 2 hours later. Attends, par contre, White, dis-moi juste que t'as pris la pioche avec le requin. Regarde. Ah. Dès que j'ai vu cette pioche, je me suis dit, ouais, tu vas la prendre, c'est sûr. De ouf, j'ai insta bug. Pendant des jours, Chipo il m'a dit, hey gros, reste en alerte, y'a une pioche qui va sortir, t'inquiète même pas. Tiens, on l'a tous là en plus. Derrière vous, deux mecs. Allez. Oh là 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 là. Des putains d'assises là. Arrêtez un peu. Mais des têtes à tout le monde, je tue personne. C'est quoi cette histoire là? Je vais me mini-shielder. Et je vais mettre un feu de camp. Ça m'évitera de claquer. Oh putain, y'a la zone. Yep, là faut y aller. Oh non. On est prêt. Hein. Non, allez, on est lente. Tout proche. Tu vois, on est sur le côté du rond qui est. Faut que je me soigne après. Hein.
Mais il faut faire attention à la montagne parce que c'est. Dans la construction Ouais. Attends, je vais péter le bas de la tour. Si t'as envie de les pousser, je vais taper le bas de la tour. Allez, c'est parti. À partir de ce moment-là, on est repéré. Donc il peut y avoir d'autres. Ouais, mais on y va, on s'en fout. Ouais. Mais y a 22 personnes, enfin 19 restantes, et dans une très petite zone. Donc on va avoir plusieurs teams en même temps. C'est obligatoire. Il court en bas, hein. Ah, la batteuse. T'inquiète. Je lui ai enlevé tout shield à la batteuse. Il a plus de vie. Je lui ai mis deux têtes, hein. Oh, tu me fais voler au lance-roquette, what the fuck. C'est vrai. What the fuck, oui. C'est vrai. Tu m'as fait voler au lance-roquette. Deux KO. L'autre, il est en dessous. Non, il est au-dessus, il monte. Nice. Encore des assists, toujours des assists, hein. Oh yo. Oh, what the fuck. Est-ce que mon cerveau il a commencé à... Je t'ai fait voler au lance-roquette. Sérieux. Il a sauté sur les ennemis, l'autre il a été projeté par une roquette. Oh, j'ai un lance-roquette en or. Youpi. Je sais pas ce que ça change réellement, le lance-roquette en or. Ça fait plus de dégâts. Là franchement, pour être full gold, il me manque juste le shotgun en or. Mais ça n'existe pas. Par contre, vous avez des potions Lego ou quoi? Ouais, j'ai des mini-shields. Ils doivent rusher de l'extérieur de la ville. Ils doivent camper sur les granges à Fatal. Et il y a sûrement une équipe sur la montagne. C'est fort possible aussi. Où ils sont ces cons? Ils sont juste derrière la montagne là. Et tu moi. KO. Bien joué. Moi je les fous le lance-roi, je m'en bats les couilles. Un KO. L'autre arrive. Lance-roquette, mon gars. Y'a quoi? Y'a une grande popo là. Oh, j'en veux bien, moi. Y'a des feux de camp, y'a des kits, y'a une scar. Boum. Y'a du minigun. J'ai 50 munitions d'explosifs. Tiens, Chipo. J'ai une popo pour toi. Oh, t'inquiète, je bois ma gorge. Bon, du coup, en sortie de Salty Springs, ça a bien descendu. Hein. Oui. Putain, on est 7. Il y en a 10 qui sont partis. Faut juste avoir le visu. 3, 4, ouais, faut les prendre. Où sont ces messieurs? Ah, ça tire. Sur la grange. Ok. Yep. Voilà. T'es sûr qu'ils allaient poster là. Et là, ils ont un avantage. Hein. On peut tenter un rush au jump pad. Pas si ça vous tente. Attends. On peut, mais ouais. S'ils laisse-moi juste en aucun. Ah, c'est vrai que là. Faut attendre l'info de savoir combien ils sont. S'il y a une autre équipe, faut profiter de l'autre équipe, sinon on va avoir un peu de mal à les run. Toucher un. Ils sont 4. Ils sont 4. Ouais. Yep, c'est un problème ça. À l'attaque. C'est fini. Tu ça, joues plus bon, ça. Dégagez. Explose la grange. J'essaie des flanques un peu en utilisant le fossé qui a. Je me tiens pas là, let's go. Ok, ils m'ont vu, ils sont sur moi. Ok, ils ont une batteuse, ah là tu vois ça commence à puer. Les gars ils sont sur moi, go profiter. J'en ai enlevé le shield. Ouais moi aussi. Il remonte de ton côté, White. Sans dessous toi. KO1. Bien joué. Ils font le tour. T'inquiète, je suis dessus. Ils sont pour toi, White. KO1. Allez. Il en reste un. Quel carnage. Oh putain. Il en reste qu'un seul. Ah, il est dans la forêt, regardez, il a fait une maison. Où ça? Où ça? Là, ah oui, j'ai vu. Eh, hey, venez, on l'entoure de pièges. Oh, il a fermé la porte. Attends. Attends, j'arrive. J'ai un piège. Attends. Le toit, il est bien fermé? Oui, il est fermé. Non, mais tu peux pas mettre sur ces constructions, par contre. C'est qui a mis ça? Faut mettre tout autour, les gars. Faut mettre tout autour de sa construction. Ah, il va mourir. Non, il est pas mort. Les gars, faites un truc, trollez-le. Non. C'était un bambi, mec. Je voulais casser le sol pour lui mettre un piège et j'ai pas réussi. Non, ce qu'on aurait dû faire, c'est l'affaiblir parce qu'il s'est mangé le piège. Ah merde. Oh putain. Lourd. Il s'est sorti, il a pris le piège dans la bouche. Bon, moi j'en ai fait 14. Ah ouais, quand même, j'en ai fait que 6. Moi j'étais à 14.
Bah voilà, ça fait 14, 6 plus 4, ça fait 24. Oh, ça va. C'est pas ouf ouf, mais non, ça va. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on remercie énormément Fateux et Chipo avec qui c'était ultra facile de progresser. Deux petites parties de top 1, il n'y a même pas eu à refaire de prise, c'était cool. Bonne ambiance, on s'est tapé des barres. Cette game, elle était épique, c'était insane, ça pétait dans tous les sens. La fin, écoutez, il y en avait partout, c'était un régal. Merci beaucoup les gars, c'était un plaisir. Bah écoute, c'était un plaisir pour nous aussi, hein. Franchement, de jouer avec toi, ça fait plaisir. Impeccable, c'était good. J'espère que cette vidéo vous aura servi, que tous les conseils vous profiteront. Les liens Twitch de ces deux joueurs seront dans la description, donc n'hésitez pas à leur rendre visite. Également, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires pour que vous puissiez me dire de ce que vous avez pensé tout simplement de cet épisode. Les gars, c'était White, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. Ciao tout le monde, peace.